Cette exposition The Art of Clip retrace l'évolution des clips et des broches chez Van Cleef & Arpels depuis la fin des années 10 jusqu'à la fin des années 70. Donc on voit vraiment l'évolution des formes des clips, des thématiques des clips, donc de l'univers floral, animalier, des bijoux d'inspiration couture. Et on voit vraiment l'inspiration, on voit vraiment aussi se développer des clips qui sont détachables, des clips qu'on pouvait porter pas nécessairement sur un revers de tailleur, mais des clips que les femmes pouvaient porter différemment, en ornement de coiffure, sur une ceinture. Donc voilà, on voit vraiment l'évolution aussi bien des thématiques que des différentes portées de clips, la façon dont on portait les clips, voilà, dans des années 1910 jusqu'aux années 1970. Вы знаете, я в полном восторге. Насколько я знаю, что вообще это, наверное, в истории бренда первый раз, когда выставка посвящена одному экспонату, да, в данном случае это броши, которые собраны, начиная там с 20-30-х годов, по сей день. Это просто, ну, завораживает то, что каждый экспонат со своей историей, да, рассказывает, в принципе, о том, какая была мода, скажем так. Как вы знаете, изумруд достаточно хрупкий камень, он крошится, и вот как они закреплены, кажется, что это единый камень, но при этом они закреплены очень точечно. Это настолько вот уникальная, тонкая работа, что я прям в восторге, мне очень понравилось. Je suis déjà venue très souvent à Moscou, donc ça n'est pas la première fois. Déjà que nous faisons une exposition dans le cadre d'une de nos boutiques, hein, puisque l'année dernière et même l'année d'avant, nous étions présents dans la boutique de Stolesnikov pour des expositions patrimoniales. Hein. Et aujourd'hui, nous présentons une exposition qui est entièrement dédiée à un type de bijoux, c'est l'art du clip, voilà, The Art of Clip. Les clips, l'exposition est présentée par décennies. Voilà, les bijoux, les clips de Van Cleef & Arpels des années 20 à la fin des années 1970. J'invite tous les spectateurs de Fashion One de venir visiter cette exposition. Vous verrez vraiment une partie de la collection de clips de Van Cleef & Arpels, une collection exceptionnelle. Les bijoux sont magnifiques. Ils représentent vraiment l'histoire de l'art et l'histoire des arts décoratifs entre les années 10 et les années 70. Et vous verrez des bijoux exceptionnels qui ont appartenu à Maria Callas, qui ont appartenu à Elizabeth Taylor. Donc venez tous voir cette exposition de Van Cleef & Arpels. Привет! Пожелание зрителям: будьте всегда в тенденции, следите за новостями, будьте модными и улыбайтесь. Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.